Bienvenue pour les vendanges 2012 de l'avenue Montaigne et de la rue François 1er. Vous avez derrière moi la tente de l'avenue Montaigne, du comité Montaigne, pardon, et où nous nous apprêtons à recevoir nos amis. Écoute, c'est un événement comme un petit bijou dans l'année, le début de l'année, qui va briller pour tous les mois à venir pour nous. Je tiens à remercier le comité Montaigne pour le don qu'il nous a fait et pour continuer à faire rire et sourire les enfants à l'hôpital. Vive Nathalie Branken. Non, arrête. Non, on est heureux. Vive non, le comité content. Montagne, Nathalie. Nous, on est très contents. Petite fraîcheur. Oui, une petite fraîcheur qui commence à tomber. Non, parce que ce qui est merveilleux, c'est que ça n'a pas beaucoup changé. Le plaisir des gens est toujours le même, comme le nôtre est toujours le même de les organiser. Ça reste quelque chose de très spécial en Europe, parce que la tenue même de l'avenue Montaigne est très spéciale. Une fois, l'avenue Montaigne a été fermée pour les vendanges. Jamais. Voilà. Je savais. T'es content. Une excellente soirée, c'est comme toujours extrêmement bien organisé. Ça, c'est grâce à Virginie Bamberger. Exact, oui. Voilà, ben, la soirée est bien avancée, elle est loin d'être terminée, mais elle est bien avancée. Il y a une jolie affluence, très élégante, très gaie. Ce sont de vraies vendanges, comme nous avons l'habitude de les avoir, comme nous les aimons. Ça se passe très bien et beaucoup de félicitations sur les décors. Bref, nous sommes heureux. Cette nouvelle édition des vendanges est encore une réussite. Le temps était de notre côté, ce qui n'était pas gagné. Chaque maison a fait beaucoup d'efforts au niveau de la décoration et des animations. Au niveau du comité Montaigne, le décor du carrefour est quelque chose de très scintillant. Les gens sont contents, élégants, habillés et nous sommes dans une soirée sélecte, exactement ce que veulent les vendanges. Donc une belle soirée. Eh bien en tout cas, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup le cuvée Louise, je ne pensais pas en trouver ici. Et j'étais ravie parce que c'est mon champagne préféré. Merci messieurs, merci. Hey, s'il vous plaît, mon garde du corps est là. Les vendanges chez Jimmy Choo, c'est très sympa. C'est trop beau. La réserve de Ruinart chez Dior était très bien. Fabuleux. Le rosé, c'était très très bien. Le rosé également. Est-ce qu'on a bu demoiselle? Le demoiselle chez Porto était. Bon, c'est pas la même chose, mais c'était bien également. Aussi. Nous sommes arrivés trop tard pour le Laurent Perrier chez Dupont. Voilà, donc on a pu en goûter. Avec un petit regret. J'ai bu le meilleur champagne chez Dior, c'était un Ruinart rosé.